Nan anmim te gem tan an rele, mwen tan an kourim dan an palan pil. Kouri revege pou mwen sa ka pase, yo tim se Haitik bret pou l depase. Kouri l'hôpital yo tim li pap sove, le nouvel la gaye tout moun don de rele. Oh, yeah, se ba de rele mwen batande. Oh, Eh bien, nous souhaitons tout le monde bienvenue dans la deuxième session, qui est commencée qu'on y a là. Et dans le studio, nous avons bien pour nous recevoir et cinéaste Arnold Antonin et artiste, alors, et BIC. Nous allons le présenter tout de suite. Nous rappelons pour capable nous allons parler non sous Zèvre artistique, Miwa, qui c'est Miwa Société. Nous allons gagner pour nous. Alors, chaque fois que la session va commencer, on va faire un rappel pour rapide. Il faut enregistrer pour chaque session. Par exemple, pour toujours qu'un besoin sur email. À chaque session, il y a un email qui vient joindre nous qui permet d'enregistrer pour la session. Alors, par exemple, deuxième session, où tu recevras un email là, ou enregistrer pour lui, ou accéder, ou entrer sous lui. Et ça peut nous donner tout le monde qui branche là. Nous saluons tout encore une fois. Et qui branche pour la deuxième session que nous allons commencer avec. Arnold Antonin et BIC. Eh bien, Arnold Antonin, comme nous connaissons, qui a une carrière diverse. Arnold Antonin très connu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'Haïti et pour engagement social, politique avec culturel. C'est un docteur en économie qui a un master en droit économique international. Il était professeur à l'Université d'État d'Haïti dans l'École nationale des arts. Il était directeur centre Pétion Bolivar d'Haïti. Il a réalisé une cinquantaine de films entre long et court métrage, documentaire et fiction. Et toute bagasse a été gagnée en pile prix. Et monsieur son réalisateur de premier long métrage haïtien. Il a gagné trois fois d'une des l'autre prix Paul Robeson. Et il a gagné prix du meilleur film de la diaspora africaine au FESPACO. Il a gagné tout prix documentaire au FEMI en Guadeloupe et à Écran Noir à Yaoundé au Cameroun pour Jacques Roumain, La Passion d'un pays. Et puis, il a recevoir et prix Détroit de Magellan décerné par le Chili. C'était en 2020. C'est pour nous parler tout petit de Arnold Antonin, puisque c'est un qui réalisait en pile bagaille. Et c'est un gros tonton garçon que nous allons recevoir, là, qui va communiquer avec nous. Et pas oublier tout, l'autre question pour Arnold, on va l'écrire dans le chat là. Et l'autre monde qui va parler avec lui, c'est BIC. Nous allons inviter, juste avant que nous introduisions formellement BIC, on va inviter ensemble avec nous pour nous souhaiter BIC joyeux anniversaire. Yeah. And may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Oh, this is your birthday song. Oh, celebration all night long. Oh, may all your dreams come true. Okay, c'est comme ça nous souhaiter joyeux anniversaire à BIC qui t'a fêté hier, et bien BIC n'a pas plu, et Roosevelt Sayan qui c'est un chanteur, un compositeur,
et qui c'est un producteur et un professeur. C'est BIC avec Arnold Antonin qui va parler nous des œuvres artistiques Miwa Société. Messieurs, bienvenue. Merci Christophe Siméon. Merci Farah Larue pour l'inviter. Moi, je profite et me souhaiter BIC. Joyeux anniversaire. Mais ma baye, les comptes ça déjà sûrement. Même des gamins les lits pour me dire, nous fait gagner pour un film que nous fait ensemble. C'est BIC qui fait musique là. Mais ça l'a même dit, merci pour la mer, qui sont pris deux prix au festival Vue d'Afrique et Images de la Caraïbe de Montréal. Il prend un prix meilleur moyen métrage et puis il prend un prix développement durable. Donc ces deux prix, il prend en même temps dans le festival ça. Et donc son bagage, évidemment, que moi et ma BIC nous partager. Alors, voilà. Bon, alors, pour mon qui va connaître, pour me dire, moi, ma BIC, nous avons longtemps à collaborer. Depuis le président Attila le Sida avec Jimmy Jean-Louis, que c'est BIC qui était très souvent intervenu à deux fois au moins dans le film pour faire musique là. Et puis après, nous faisons l'autre bagaille ensemble jusqu'à ce que nous ont fait, ils ont fait musique originale film, ainsi par là, la mer là. Bah, qu'on est qui j'en sais, c'est Christophe Siméon Poudine qui j'en sais en fait. Est-ce que va commencer à parler tout de suite? Ou bien qui j'en, si c'est les gars dirigés, il y a l'autre bail pour le dire, sous objectif réunion après-midi. Oui, Christophe. Oui, on va commencer, on va exposer et puis après, on va poser question et BIC apprend après, juste après. D'accord, merci beaucoup. Merci Christophe. Alors, forme dit que moi-même, je me dis à ça, mon symposium, son réunion scientifique de haut niveau, côté chaque monde présenter des communications qui supposait des communications de haute valeur scientifique avec des points de vue originaux, là, et comme ça. Donc, moi-même, des îles, c'est pas un temps où on fait travail ça. Donc, peut-être ça a fait simplement son causerie dans le cadre d'un colloque sous, il était pas les mains de l'art comme promoteur social. C'est ça, oui, il était dit, tellement. Mais c'est miroir de la société. Bon. De bas, ça, une rejoint l'autre. Donc, moi-même, ça m'a dit, c'est que l'art, très souvent, c'est un reflet société, hein? Mais très souvent, tout l'art permet, mettons, certaines dynamiques dans la société, hein, qui contribuent à changer la société. Hein? L'art, regardez, par exemple, le rôle l'art t'es joué dans une période très importante de l'histoire universelle et de l'histoire européenne, la Renaissance, eh bien là, l'art intervenu, lui changeait absolument la façon de voir la société. En Moyen-Âge, là, c'est un art religieux qui était à représenter surtout des divinités. C'est un art très statique, à mon avis, avec une iconographie très statique. L'art de la Renaissance, même s'il vient réattacher lié à l'art gréco-romain, mais l'art paraît, il y a une série de bagailles qui pas acceptées dans la société médiévale. Par exemple, présenter le corps humain, les nus, nus de femmes, nus d'hommes. Donc, il vient permettre société en gros, l'autre approche à propre corps lit. Et à problème et de rapport entre la société en général et l'Église. Société moyenâgeuse, là, c'est une société dominée par, pas seulement les croyances religieuses, mais par un pouvoir séculier, un pouvoir d'État que l'Église exerçait sous toute société, ça. Au moment où, avec la Renaissance, il y a toute une mise en question de style de rapport, ça, eh bien, l'art vient utile en pile à mise en question ça. Mais en même temps tout, même pendant
la Renaissance, les autorités, en particulier le Vatican, utilisaient un pile artificiel pour rehausser leur propre gloire par lui. Parce que l'homme prend un monde tant que Michel-Ange, ou bien un monde, même tant que Léonard de Vinci, ou bien tant que Raphaël, tout n'est que ça pour le servir pour illustrer, en un certain sens, la puissance et la magnificence du pouvoir et du Vatican. Qui est un pouvoir encore, un pouvoir qui te gagné toute une géographie, toute une aire géographique en Bali et qui est exercé une influence sur le monde entier pratiquement. Monsieur Sao, et il y a le travail pour les Medici, pour les Borgia, etc. Et c'était pour illustrer gros pouvoir d'exil. Et en même temps, tout, M. Sao était très bien relation avec une série de penseurs, même sur le plan politique et social. Tout. Un exemple pour Machiavel, qui pourrait faire son fameux livre Le Prince, puis en pile, on a préparé l'utiliser comme une espèce de bréviaire pour faire du machiavélisme, c'est-à-dire une politique extrêmement avec une double pensée, avec beaucoup de dissimulation, etc., avec des plans et il utilise l'adjectif lui-même machiavélique. Mais en fait, Machiavel, ça le fait à travers Le Prince, c'était montrer, et c'est pour la première fois, comment Prince exerce le pouvoir, c'est-à-dire à travers la dissimulation, la violence sous toutes les formes et finalement une mainmise totale sur la société. Donc, depuis le Sahara, et sous-monter plus en arrière encore, n'a pas toujours, ouais, dans l'histoire que nous piquons, hein, l'histoire occidentale, mais sous toute l'histoire, continent africain, hein, histoire continent asiatique, là, monsieur, c'est même pas là, nous t'avons trouvé avec différentes dynasties asiatiques, où est que là, à un certain moment, son bagage qui est très utilisé par les princes, les seigneurs, ceux qui dirigent, les chefs, pour illustrer, pour bail prestige à pouvoir. Et, bien de le là, on vient de river toute expression de que société en bon, mais pas bon. Par exemple, dans l'histoire gréco-romaine, souvent l'histoire de la Grèce, bah, il y a le siècle de Périclès, là, son siècle côté, où est que, et Atitio, c'est pig moment où t'es plus exprimé tête parce que t'es gagné un président, t'es gon chef, le président t'es gon chef à ce moment-là, mais chef ça, son chef, qui t'est appelé là à fleurir, c'était un monsieur plus libéral, yo, et qui t'est investi en pile comme mécène dans aider à tissu au travail. C'est ça que fait jusqu'à présent, c'est, et même dans Renaissance là, son art qui admirait et que qui influençait en pile les autres formes d'art. Avec l'ère moderne, avant de arriver à l'ère contemporain, Atitio vient sentir l'obligé de refléter surtout crise et contradiction qu'il y a dans la société. Et il vient exprimer ça dans le propre art qu'il a fait. Il vient faire art qui n'est pas capable seulement de représenter la beauté, ou bien la réalité telle qu'elle est, puisque il y a une influence du subconscient, du rêve, qu'on sait, il y a aspect de l'être humain que les scientifiques et la société viennent découvrir. Et ils viennent découvrir tout que la société est très liée à l'économie, pas seulement parce que ils ont besoin d'aide, mais ils ont un gros poids de monde, je vais aller les galeristes, mais les marchands d'or. C'est pas directement le prince ou le chef qu'on est en capacité d'en mettre, mais qu'on sait qu'il n'est capacité pour revendre parce que son civilisation côté qu'on est en, vraiment, c'est la marchandise qui domine, c'est le capitalisme. Donc, n'est que ça, d'un côté, le contribuant pile à or, a fait que bon, gros marché de l'or qui vient de coûter pile l'argent, mais en même temps tout, yo senti pouvoir marcher ça sous or y a faire et yo t'es toujours combattre pour mon liberté pour qu'à défendre et création propre création par eux. Donc or ça m'a pas rentré depuis
d'adieu et toute histoire là, mais après quelques artistes significatifs, par exemple, vous n'êtes pas Pablo Picasso lui-même, qui a en pile expérience, mais qui vient font révolution dans l'art et révolution dans l'art de Picasso, hein, son révolution qui influence la société, hein, qui influence tout travail l'autre artiste a fait. Et l'on pense à Guernica, c'est une représentation très proche tout, même si c'est pour moi réaliste, qui pas représenté le tel quel, à ce qui a passé dans la société, par exemple, la répression de la dictature franquiste en Espagne et le bombardement de Guernica. Et tableau ça, vin servi, un tableau emblématique de tout travail. Dernièrement, un artiste ici, et zanmi mwè, Joseph Eddy Pierre, et li font tableau sur les massacres de la Saline et la Gonti Guernica, comme si de rien n'était en mitan tableau. Donc, comme un clin d'œil à travail Picasso. Et donc, pour y en, ou ta ka di même bagay lan, mwen de rete dans les arts plastiques, mais on pourrait dire la même chose pour la littérature, la même chose pour le théâtre en particulier. Ou nèk tankou Molière, œuvre plus révolutionnaire que monsieur fait, c'est Tartuffe. Tartuffe qui devine coûter monsieur en pile après, mais dans Tartuffe, monsieur dénonçait toute hypocrisie, n'est-ce pas, de la noblesse, de la royauté, du clergé, et tout à coup, intentionné entre eux-mêmes. Et Jean Pilg mette en scène après qui fait Tartuffe de Molière, c'est-à-dire une représentation propre par eux de qui j'ai ou est Tartuffe de Molière là, dans la période où il était présenté Tartuffe là. Donc, le théâtre a beaucoup servi dans, à influencer la société, à mettre en question les préjugés ou bien et les choses déjà établies et l'establishment, sans nous parler d'un artiste presque contemporain comme Bertolt Brecht, qui font théâtre, qui sont théâtre extrêmement liés à la lutte contre le fascisme, la lutte contre le capitalisme. Pour y en, t'as le mal rentré dans le cinéma, dans le 7e art lui-même, et Wally en particulier. Mais sauf pour en Haïti. En Haïti, c'est à peu près, et bon, on va pas dire c'est à peu près la même chose dans le sens de la production, mais dans le sens du contenu et des tendances. Après la révolution, littérature noire, c'est une littérature patriotique, épique, engagée, cap dit, cap chanté geste héroïque des pères de la patrie, cap appelé à être toujours sur le qui-vive parce que et l'ennemi extérieur, les colons français peuvent revenir et les autres et puissances impérialistes et colonialistes du moment. Et après, voilà une littérature qui parle d'écrire les torts de la société haïtienne, tous les préjugés qui existent à l'intérieur de cette société, l'exclusion qui existe à l'intérieur de cette société, tant qu'ou le nègre, et tant qu'ou Fernand Hibert, tant qu'ou toute série et Monsieur Sayo, et puis tant qu'ou Frédéric Marcelin, tant qu'ou l'Hérisson, mais après, son pral jeune littérature qui pral dénoncer l'occupation américaine, non. Ou pral jeune, une série de nègres qui pral écrire des livres contre l'occupation américaine, non. Et plus tard, tout moun sa yo, produit littéraire, yo, c'est un produit de la société, en même temps, son produit qui visait à transformer la société. Et plus tard, bon, ou non, pral tomber sous Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, René Depestre, et n'est-ce pas? Et puis, Jean Brière, Roger d'Orsainville, dans un certain sens, après, qui pourra continuer de dénoncer avec plus de vigueur
et d'une façon encore plus directe et tant société hein, qui pourrait dénoncer l'alliance qui est entre et chef dans société ça cap et exploiter et population l'exclusion de la paysannerie les dangers que n'a pas vous ne vous dire là pour gouverner de la rosée la désunion qui existe dans ce pays et la sécheresse la menace écologique l'utilité déjà dans gouverneur de la rosée sous prend Jacques Stéphane Alexis l'exploitation la violence contre et les classes défavorisées il est déjà là-dedans donc on va jouer ça au niveau tout de la et de la peinture après son peinture qui pendant tout 19e siècle tout début 20e siècle a ton peinture t'a imité l'occident a imité paysage de l'occident on peinture académique on vient jouer une série de peintres kounien qui pral font leur peinture totalement différent qui pral révolutionner la forme et le fond de peinture haïtienne et attitude société en vis-à-vis de la peinture enfin ça yon haïtien classe moyenne yon bourgeois jusqu'à présent même au niveau populaire on veut une bagaille ça mais pas ta prendre maintenant la caillon tableau côté doux c'est vaudou ou bien son paquet petit tonton yo besoin yon bagaille ou bien on copie une image d'Épinal ou bien on copie de la dernière scène de Léonard de Vinci ou bien une scène bien faite selon ça aux gens où est ça bien faite là eh bien ou joindre avec tout monsieur que surréaliste d'abord pour eux même tout pour admirer ou bien et peintre cubain ou pour joindre de monde justement tant que Hector Hippolyte n'est-ce pas tant que Dieudonné Ségor tant que Ludmire Lazare qui pral sorti du centre d'art ils pral former certains là de le foyer des arts plastiques mais de deux zones ça ou pral joindre une peinture qui le reflet de l'inquiétude société à vivre à partir de 1946 et en même temps qui va l'influencer société qui va l'influencer nous tous pour qu'artistes haïtiens Roosevelt conseiller de chanter l'appel soit je sorti directement de l'influence à tout lui-même et bien ici ou bien moi-même des films que m'a fait donc et puis devant bon on n'est pas parler rentrer dans l'art contemporain parce que ce serait un trop long parcours. Un trop long voyage, on va rentrer dans le 7e art en lui-même. C'est-à-dire dans le cinéma qui va être plus concerné. J'espère que à partir de ça, je fais nous. Bon, je ne t'ai pas parlé de Albert Mangonèse et de Le Nègre Marron. N'est-ce pas? On espère une tentative de retrouver nous avec l'origine de notre. Donc les racines et l'identité. Pour continuer à parler de société contemporaine, de exclusion qui est là-dedans, de injustice qui est là-dedans. Donc, ça fait dans la littérature, à propos de jeunes, une série de nègres nouveaux, de monde qui est plus jeune, tant pour Lionel Trouillot, tant pour, bon, sauter en pile, hein, Maurice Auleroy, me sauter en pile, monde. Mais, me sauter même Idriss Saint-Amand avec Bon Dieu, oui. Mais on va le joindre, pour n'y a de monde, et tant pour, qui va l'intéresser, Gary Victor, avec une littérature fantastique, qui était déjà, et Jacques Stéphane Alexis était essayé d'analyser déjà dans le roman. Et puis, on va joindre de l'autre, nous sortit de Lionel Trouillot, Menguin et Vin Trouillot, la sœur de Lionel, ou Emmy Prophète, qui a analysé et a représenté en essayant de créer du sens, réalité que nous vivons. Et dans un plastique, on va le joindre sculpteur qui va le faire sculpture de récupération qui ont reflet, un miroir de société dans la Bible. Une littérature, Jacques t'a parlé de ça déjà, côté, c'est la laideur qui vient, un élément esthétique sublime de, comme miroir de la réalité en même temps, comme un appel à un changement de réalité, ça. On va le joindre ça dans un plastique. Et, ou pour joindre ça dans la littérature Gary Victor là très souvent et ou va joindre Yannick Laens tout ou va baisser sur la dire ou va joindre au monde tant pour Kate Limas n'est-ce pas pour ne citer que cela m'a pas voulu et sauter monde pour me sauter bon c'est une première tentative d'ailleurs que
et l'autre ami, moi, les amis, nous tous, c'est Pierre Clitangle, déjà dans la cathédrale du mois d'août, de faire. D'ailleurs, M. Sonnet qui était très lié à certains peintres haïtiens avec roi à tout le monde. Donc, libre à le faire, il peint pour lui-même, mais libre à faire une description, tableau de réalité nouvelle là. Ce n'est plus, c'est pas seulement paysanne riant avec bourgeois la vidéo ou bien grand d'or, autant pour le Jacques Roumain, mais c'est pour le sous-prolétariat, c'est pour l'oumpen qui fin dominer paysan, je vous dis. Je dis majorité population haïtienne, je veux dire, c'est moun la ville, c'est pas moun la ville, non, moun la ville longtemps, moun qui devine travailler la ville, moun qui devine cadre la ville, c'est majorité bidonville qui gagne un pays, hein, quel que soit grande ville pays, dominée par les bidonvilles. Donc, c'est une situation sociale, c'est des relations sociales, c'est une et psychologie totalement différent de Bayan. Son l'autre réalité, son société en pleine mutation, mais vers quoi? Vers la bidonvillisation et la lumpenisation. Et son bagage qui peut créer un effet énorme sur la production artistique, sur la production économique, évidemment, et sociale et politique. Sur ça que peut passer. C'est pas pour rien, bah, je vais vous soutenir, président de la République. Quelle république? C'est république ça. Et c'est pas pour rien pour joindre une ça relait une culture trash. Une série de musique qui va imiter malement musique ghetto nord-américaine. Mais dans cadre pile fatra ça, on va joindre de monde qui va vouloir créer une musique qui va une musique créatrice de sens. Une musique qui va le chercher, ou pour transformer la société, ça, pour ne pas aller toujours vers le pire. Et musique, ça, c'est musique, justement, que un homme, tant pour mon ami, bien ici, a fait. Ou bien, on vient de l'autre nègre, ou bien, Bélo, qui a fait effort dans ce sens-là, ou bien, Jean Roosevelt. Et une série de rappeurs et de slameurs, musique, c'est de poèmes qui méritent analyse, parce que, de tout, tout, ils sont expression de société, ça, mais en même temps, tout gagne un potentiel de changement en dans la musique, de société en lui-même. Donc, c'est là qu'on a le puiser en pile bagaille pour changer la société. Donc, moi, quoi que je fais une espèce de cas. Général, je ne fais pas PowerPoint pour exposer scientifique. Ah, il y a un problème de la connexion. Ça va, nous t'entendons? Jusqu'à présent, on m'entend bien. Ah bon, ok, d'accord. Ça va, c'est pas trop ennuyeux, beaucoup envie de dormir bien ici. Mon cher, c'est note, m'apprend, même si on ne pas écrire, m'apprend note. Bon, eh bien, on va retourner dans le cinéma. Mon cher, cinéma, son bagage, dans tout art, nous sommes parlés là. Peut-être plus que la musique, parce que je voulais que son en total lié, il y a théâtre là-dedans, il y a musique là-dedans, il y a photographie là-dedans. C'est peut-être un qui gagne, qui plus reflète la société et qui gagne plus influence sur la société. Son un qui reflète la société en pile pour deux raisons. Parce que son un qui est très lié à la technologie, à la technique. Donc, technique dans la société a évolué. On a passé de noir et blanc à couleur, de couleur à vidéo. Donc, tout le temps, la suivre, plus que l'architecture, qui tombe en. On parle de peinture, même pas parler d'architecture. Architecture fondamentale, oui, non, a fait art qui reflète la société et qui peut influencer la société. Mais peinture, mais cinéma lui-même, sont en ça aussi des arts anciens. Mais le cinéma est né sous nos yeux. Et c'est ça qui est intéressant. Son art qui fait son produit du développement du capitalisme. Il fait avec lui. En ça. Donc, peut-être ça lié à la technique et à la technologie et lié à l'argent et au commerce. Le fait, il était fait comme une curiosité de foire. Tout le monde va regarder. Qui j'aime, on fait si ton ça va bouger, ou pour on fait mon marché. Donc,
tout à regarder les mêmes gens aller au côté des spectacles pour faire du cirque pratiquement. Petit à petit, je viens comprendre que c'est un instrument fondamental de transmission de valeurs et de transmission de connaissances. Donc, un instrument extrêmement puissant pour faire du bien ou pour faire du mal, ou pour faire de l'argent. Donc, cinéma, une puissance pour l'Allemagne hitlérienne, son cinéma de propagande pour promouvoir la toute-puissance de la race aryenne et la domination du monde. Pas Mussolini, c'est même bagaille. Et Kounia, ou venez Hollywood lui-même, qui comprenne qui Jean, qui a utilisé en ça, pour le vendre salvelé, pour le vendre image, pour le vendre des valeurs, pour toute une vie de folie de l'American way of life. Tout pour une Kounia besoin de vivre même l'art américain, cinéma pour beaucoup dans ça. Et un dictateur, tant que Staline te dit, il n'y a pas de balle bombe atomique, non, il dit donnez-moi Hollywood. Et je vous conquiers le monde. Donc, à travers Hollywood, américain, c'est à ça que fait que vous avez une plus grande puissance du monde, vous conquérir le monde. Donc, où influence le cinéma sur la société? Gens capables de servir pour que le dominant société, pour le rentrer, qu'on y a avec télévision, pas seulement sur le grand écran, mais dans la caillou. Pour manger, la transmettre aux valeurs. La publicité, la dou ça pour faire ça pour pas faire. Jean pour habiller, qui parfum pour mettre sous vous, qui savon pour utiliser, pour bien, la dou tout bagay ça. Même si après savon, ça aurait un droit lâché pour vous. Mais, il y a concurrence, il y a bagay. Il y a dou qui médicament pour prendre, même si médicament ça pas soit en quelle maladie. Et vous pouvez le prendre. À force pourtant, dès qu'il y a un monde qui une belle fille qui a posé bouche, et puis il a pris un médicament, un médicament, ça va vous y mauvais, ou pas le prendre même. Donc, cinéma, l'irrivé, gagne puissance, ça. Et en même temps, son miroir de la société, puisque l'on regarde dans le film, tout. Où est-ce que j'ai mon habillé dans certaines périodes? Moi-même, tout vous dit, si on a été un cinéma depuis la guerre de l'indépendance, c'est un coup magnifique. Nous avons pu Toussaint, nous avons pu Pétion, Dessalines, Christophe, d'après tout le monde, d'après j'ai te comporté, est-ce que ça peut raconter sous vous, c'est vrai, ou n'y a pas mon idée. Je fais un travail sous Dessalines, c'est là ça m'apprend que photo Dessalines, que tout le monde dans la tête, sont japonais qui te fait. Donc, concours, il te fait. Je commence à le droit loin, il a mouru, il me manque 5 minutes. Yes. C'est ça? Yes. D'accord. Donc, cinéma, à un certain moment, mais il y a l'autre monde qui vient comprendre que cinéma capable de transformer la réalité en cas de combattre. Premier cinéma, ça. Vingobayoué, le premier cinéma, c'est cinéma, ça. Cinéma Hollywood, là. Bien que ce n'est pas tout film qui a fait Hollywood qui est mauvais, non. Hollywood, toujours, il y a un cas de cinéma de contestation. Toujours, il y a un cas de cinéma qui a profondeur, qui a sens. Mais, de sa majorité, c'était saleté. À ce moment-là, vingon l'autre cinéma qui vient parler. Par exemple, on nous prend Casarelli, le néo-réalisme italien. Néo-réalisme italien, son série de cinéastes qui dit, nous pas pral représenter seulement les combats de gladiateurs ou bien les beautés de l'homme, nous pas le montrer qui vient Italie après la guerre mondiale. Prostitution, corruption, vol, et abandon de l'enfance de Timoun. N'a fait ça, n'a montré ça. Chef pays, ça y a fini la Jodine, ça y a détruit l'image pays. Jean pays, ça y a une belle bagaille, il y a le Colisée, il y a le Vatican, qui va y a montré. N'a dit, c'est ça qui est italien. Et je voulais vous dire, vieux cinéma, plein de pommes, bagaille et Colisée, tout le monde lié, c'est cinéma ça qui vient imposer comme le cinéma italien, parce que c'était un cinéma authentique, vrai et artistique. Donc, nous avons parlé de la nouvelle vague française, tout qui vient de cinéma, ou l'autre gens qui révolutionnait le cinéma. Mais nous voulons parler de mon bail, le troisième cinéma en particulier. C'est le cinéma du tiers-monde que nous avons théorisé.
le cinéma imparfait. Nous-mêmes nous dit, à un certain moment, je parle des années 70, nous avons fait un cinéma qui n'est pas prêt le même genre, ni un cinéma premier monde, ni un cinéma deuxième monde. Qui sont cinéma deuxième monde, qui surtout reflétaient les problèmes psychologiques qui étaient gagnés dans la société, etc. etc. Nous avons fait un cinéma du tiers monde, qui est un cinéma de combat, qui prend un cinéma qui a remplacé les armes. Nous allons utiliser les avec qui nous allons changer la société. Sam Kadine, moi-même, après expérience femme, eh bien, nous avons fait beaucoup d'illusions. Cinéma n'a pas arrivé à changer la société, nous, vraiment. Cinéma n'a pas aussi puissant pour te faire ça. Mais cependant, il y a quelques petites conquêtes que nous faisons. Moi-même, dans tout le film que nous faisons, c'est Gampil, ça me décide de faire avec eux, c'est des petits musées personnels. Dans le pays côté qui a un complot contre la mémoire, dans le pays d'Haïti. Dans le pays italien, côté qui a une menace, une dictature pour nous retourner au Duvalier. Dans le pays côté, misère là-bas, j'aime aussi grande. Dans le pays, l'homme dit misère, c'est misère dans tous les niveaux. Eh bien, dans le pays, ça, on n'attise pas qu'à être indifférent, ou pas qu'à croiser bras, obligé, quand même, pour faire un travail, pour soit sauver la société, soit changer le toujours, sinon, on va obligé de plier les bras. Mais, donc, ça fait me foncer le cinéma sous des artistes, que me trouvais que, à part de mauvais grain qui gagne parmi les artistes, qui étaient sortis pour la vie, les mots artistes, là, on sait, dans le pays d'Haïti, on a une grande richesse de pays. Hein. Et ce n'est pas pour faire démagogie ou bien pour une posture, même Jean Moun qui n'a pas pouvoir faire la plupart du temps. Le dit, l'or, c'est une richesse pays d'Haïti, mais on va faire rien pour l'or. Artiste ça, au niveau peintre, eh bien, c'est héritage nous. C'est eux même qui richesse nous, c'est eux bien représenté nous. Donc, je fais une série de films sur Nexal. Donc, je crois que ça va arrêter. Je fais une série de films sur des monuments de la littérature haïtienne. Tout. Parce que si on ne fait pas film ça, comme on a dit, il n'y a pas de musée, on doit oublier mon ça. On ne sait pas de mon qu'à oublier, parce que c'est mon ça qui fait fierté, qui fait gloire. Donc c'est ça qui fait que nous faisons film sur nous. Dans tout film, je dis mon dernier bagage. Film que je vais mesurer, c'est Le Président a-t-il le sida. Je suis que son film qui contribuait à diminuer le sida dans le pays d'Haïti et à changement de comportement. Jeunes haïtiens, jeunes femmes comme jeunes garçons face à problème sida. Et un autre film tout que je pensais qui contribuait tout dans un certain sens à des changements dans le pays d'Haïti, c'est film qui fait justement les beauté contre pauvreté à jalousie et règne de l'impunité. L'homme fait règne de l'impunité, c'est là que tu as jugé Jean-Claude Duvalier pour crime qu'il a fait en Haïti, crime de sang. Et crime économique. L'homme fait film ça, c'est au moment de sortir qu'il y a bail verdict là. Et toute victime était satisfait que finalement, mon dernier verdict qui était dit, Jean-Claude Duvalier est passible d'être jugé pour crime contre l'humanité. Et je suis que le film a contribué à ça tout, parce que le juge était well. Et quand il y peut-être qu'on échappé à juge, parce que c'est des êtres humains comme nous-mêmes, juge, ça te permet de comprendre tout le bagage ça. Donc, voilà en quoi je pensais que le cinéma, très modestement, a contribué à, comme moteur de changement social, j'ai demandé de venir. Merci beaucoup. Merci de votre patience. Merci, Arnold. Et n'a fait pas ça à BIC sans plus tarder. Et BIC a pu le présenter. Et puis nous-mêmes, dans le chat, là, nous sommes capables de poser des questions à Arnold et à BIC. BIC ou Guy Podium. Bonjour Christophe, bonjour Anol, bonjour Farlarieux et puis bonjour à tout le monde qui branché et qui a partagé bon moment ça. Et moment de qualité, j'en ai même dit parce que ou pas toujours une bagarre ça yo. Et moi-même déjà m'a félicité Anol parce que et en tant que mapou et les pouvons encore une fois que nous gagne des monde de valeur dans pays a et contrairement avec 10 ou 4 dit pas gagne modèle, non, gagne modèle, mais est-ce que nous décider à chercher modèle yo? Par exemple, là on est camp en bon pied mango et mango a gagne mango à terre. Et puis, je ne suis pas responsable que les gars s'accrasent ou l'une brin à terre. Là, c'est tout le monde à terre.
Il y a des gens qui décident, c'est ça crasé, c'est ça pourri, la bine prend. Mais il y a un modèle. Merci à Nol. Et je voulais faire une parenthèse avant que je m'entre dans moi-même et comme artiste et qui de carrière depuis 21 années, qui entre dans la musique par accident. Pourquoi ça me dit par accident? C'est parce que le map considéré peut-être moins, le map comparé peut-être moins avec des mouns qui disent que y a chanté depuis dans un vaisseau, depuis qu'il y a 6 ans, depuis qu'il y a 4 ans, que y a un choral, que dans la famille, il y a un chanteur, il y a un musicien. Eh bien, moi-même, moi, toujours dit, je suis musicien par accident parce que c'est bien tard dans la vie que me réaliser que moi bon talent et que me décider de mettre le talent ça dans machine qui est la musique là. Et rapidement, pour moun qui pas trop bien qu'on aime, 21 ans de carrière, nous sous 7e album de studio. Bon, en 20 ans, on a dit que c'est un travail de paresseux et c'est cet album en 20 ans, mais là, considérer le contexte que nous vivons en Haïti à tout, soit regarder d'un côté ça, c'est quelque chose. Et pour nous venir dans ce sujet, qui sa musique capable, à qui sa musique capable servir dans la société, ça que nous aujourd'hui à là, servir de façon positive. Le, en 2000, moi, pour l'intégrer Flex, premier goût ambition que me dégaine, c'est pour me faire des bagailles qui pas mourir même jour avec. C'est pour me faire un bagaille qui a été vivant même le moi-même, moi t'as quitté moi ça. C'était premier objectif. Même. Et comme c'est saleté, moi qui allais dans logique pour faire des bagailles qui pas fast food. C'est pas bagaille vous bien vite que mon a cherché naturellement dans une société où besoin tout ça et tout mais moi-même, moi t'aimais faire une musique qui pourrait le servir. Et c'est ça que fait, moi t'ai commencé à soigner. Soigner dans qui genre? Musique moi elle a une influence qu'on dit pour quoi Arnold so dit. Moi influencé de un bon artiste que ce soit artiste à l'étranger ou artiste en Haïti. Et on est avec Mono Chalmay, tout le monde connaît ça son mentor. Et pour moi, en fait, toute équipe là, soit dans combi Calfou, qui était dans les Beethoven, etc. Tout le monde, c'est des gens qui font l'école et que en ce moment même, moi j'ai dit moi vie entrer dans l'école ça pour me continuer le travail. Jodia, question qui posait, est-ce que musique a changé la société ou bien est-ce que bon bagay que musique a fait? Mais comment moi? On a un pays côté que tout ça n'a pas fait, en tout cas, majorité bagay n'a fait nous faire en chantant. C'est peut-être dans la culture, nous, ça y est. C'est peut-être dans la gêne, nous, que lié. Nous, faisons en chantant. Ou après, avant, en côté. Partout, hein, le arrivé pour le pays, le livre pour le ou on chante, on commence à bougonner, on a passé devant. Ou à bougonner, chanter. Ou bien, compte à un voisin, là, passer ou une musique, ou à bougonner. Yo, fait payer au chèque, là, ou une forme de musique, ou à chanter. Ou une autre musique qui montait pour traduire chaque bagaille que nous avons vive. Juste en dedans, nous avons une musique qui est capable de traduire. Donc, nous sommes une société qui chite à son pilier, qui sait, en fait, qui sait, ah, mais comment ça concerne, mais qui sait musique. Donc, le fait que chaque bagaille n'a fait une musique qui traduit, pour nous la manifestation, nous avons une forme de musique pour nous chanter, pour faire des merles que nous comptons, faire sentimental, nous avons une forme de musique, et bien, nous comprenons que musique à l'île, tout compartiment d'un pays, et qu'on a là, c'est qui ça nous décide de faire à chaque compartiment, ça? Parce que, c'est impossible pour une société côté que tout n'a pas fait musique de l'esprit. C'est qu'on nous, les gars, tête, les gars, les gars, les gars, les naturellement, on a bien monde qui a fait musique pour seulement leur corps content, mais on a bien l'autre monde qui est dans l'ordre de l'esprit. Qu'on y a. Oui, musique, là, il y a un pile bagarre qui a fait. D'ailleurs, on a bon, un pile d'exemple. Musique, là, influencé nous, non, face aucune pas même comprendre. Par exemple. Ou gon petit ou là, vous décidez bon, et ou pas quitter le sorti la caillou parce que vous, musique voisine n'a pas passé à, ou pas avoir le temps de lire, etc. Ou vous formez une musique spéciale ou avoir le temps de lire. Et que, musique sont pas avoir le temps de lire, quand tellement vient influent, tellement vous politique pour vous faire l'engagement, même dans le rêve vous voulez le bas. Ou bien, le la caillou pas passer musique à vous, mais si vous dans l'école, li, dans le fait que vous faites pour lire, ou en compte ces musiques ou pas avoir le temps de lire. C'est-à-dire, musique ont une grosse puissance. C'est qui politique nous mettait derrière qui forme de musique? Qui politique pays a mettait derrière qui forme d'art? Qui ça nous voulait vendre? Qui ça nous voulait mettre devant? Parce que dans toute belle caille, non seulement il y a belle la cour, mais il y a la prime n'a pas derrière, il y a cuisine qui est là, mais il y a la cour devant tout. C'est qui ça nous voulait mettre devant? Qui ça nous voulait mettre derrière? C'est sa plus grosse question. Parce que musique là, l'ICA fait n'importe qui bagaille. L'ICA mène nos sociétés à la réussite. Il amène nos sociétés à l'échec. Dépendamment de qui sa société a d'accord, que vous voulez, qui force vous voulez mettre derrière qui ça.
Moi, ça, en musique, en 2016, c'est les Kokorap. Qui ça, Kokorap? Moi, j'ai fait en musique à la première personne. Pourquoi ça, j'ai fait à la première personne? En plus, fois, dans la musique haïtienne, nous, il y a un artiste qui chante pour tout le monde, qui dit, vous, j'ai gardé, yo. C'est à la troisième personne. Et bien, moi-même, moi, j'ai pris un rôle Kokorap à la première personne pour me transmettre un message de Kokorap à une nation. Qui ça me dit dans la musique ça? Là que, parce que nous, quoi que petit pan, nous avons monté une belle machine à vite les monter, la fin, la frise, nous allons mener l'école. Nous pensons que ça nous pas occupé. Nous pensons que parce que si petit pan, nous avons l'école là, nous ne pouvons pas le croiser à côté, nous faisons gros. Oui, ou quand fait tout à l'heure, nous mettons la machine, l'endé, mener l'école, nous pouvons passer sur mon arrière comme Kokorap, ou pas occupé. Mais ça nous pas occupé, ça nous vient politique pour nous pas occupé. Gon grand matin pour arriver la péter dans figure. Dans minute ça m'a été dit que autorité moi représente un danger pour tête moi à tout pays là mais il y a autorité dans pays à part ça. Yo compte yo bon 1000 gouttes pour me bloquer la rue mais puis devant c'est ça qu'va le bloquer. Et puis ça arrive. Je dis à nous rendre compte que gien on bande si moun nous délaisser dans la rue parce que yo pas petit nous. C'est ouais nous ouais yo pas conseiller nous. Mais qui je dis à rentrer en dans la cage. Qui ça veut dans la cage? Il y a campé dans route nous habitué passer. Il y a pas campé devant gros restaurant nous qu'on a manger yo. Et des fois yo vinn ben dans piscine là quand nous songe ça qui passé dans hôtel Montana. Donc forme musique ça m'a fait. Si pas bon politique derrière ben yo pas mettre le devant pour nous conscientiser société. Mais si c'est bon politique pour message ça au devant et ben nous t'a manger en pile monde pour nous faire comprendre que chaque si monde dans la rue pas bon parent, sous garder le temps petit tout ou sauver tête au demain. Parce que si gang ça cap formé ou dit pas petit toi, c'est contre petit toi le pas camper demain. Si gang ça qui dans la rue qui pas les caille pour dormir, qui c'est lui qui va tête lui manger, qu'on pas occuper là. Ou après ce petit pour là mais demain la petite pour la demoiselle, c'est facile quoi. Donc oui musique capable de changer en société de façon positive, mais faut gagner en politique derrière ça. Bob Marley en Jamaïque, pas petit beau chanteur qui te gagne. Bob Marley était là quand monsieur on charisme. Mais on discours. Eh bien, jamais été décidé, il y a mis ton politique derrière Bob Marley pour avoir un discours et que Bob Marley poil voit jamais. Eh bien, il y a mis ton politique derrière, il y a mis l'argent derrière, il y a mis l'influence derrière, et je dis au gars Bob Marley. Si à l'inverse, jamais été, ouais, que même si t'es grand discours, mais ça n'a pas intéressé, vous mettez le devant, il y a pour l'autre bague à cacher dans le bâtiment, vous seulement mettre le devant, je dis, on peut avoir Bob Marley comme il compte jamais. Et c'est ça, chaque pays fait. Yo créé icône, yo créé on, yo créé et puis yo foué là bonjour. Yo foué Michael Jackson dans toute cellule là nous. Yo foué basketteur dans zone nous. Chaque pays yo, en France, en Europe, yo bon Charles Aznavour, yo créé, yo construit. Yo met ton politique derrière. Yo ballon fierté, yo ballon honneur, yo pousser tout monde à le suivre. Donc moi quand c'est ça nous pas gain. Nous pas gain parce qu'il y a pile, c'est vrai qu'il y a pile musicien en Haïti, pas chanter trash, qu'on dit Anol saute dit oui. Mais il y a pile l'autre ou prenez un temps pour calibre, ou prenez un autre dit Jean-Jean, un autre dit Bélo. Nous avons plein d'autres jeunes qui ont une musique de conscience qui a fait. Mais pas de politique de la musique. Ça, au contraire, si ça vous dérange le pays, l'honnête pour BIC a ouvert le peuple là, jeunesse là, BIC a besoin de menace parce qu'il n'y a pas besoin de Timoun j'ai ouvert. Il y a besoin de bon Timoun GPT, ou bon Timoun Soudanèg, puis vous menez au côté où vous voulez, pour mener au boulot au caoutchouc où vous voulez. Pour mener au goût, mais pour ou les ouvrez, donc il n'y a pas besoin de l'artiste qui a bien fait lumière. Pas de politique pour ça. Donc, et cinéma, et musique, il est capable de retirer le pays à la salle là. Parce que c'est des bagages conscients qui ont fait tout. Mais, qui politique qui vient pour ça? C'est la plus grosse question. Je ne vais pas parler très très long, mais plus envie de répondre à une question et faire intéressant avec le monde qui a une question à vous poser. Mais, je nous bon politique pour nous choisir qui s'en a mis devant. Ni dans art de façon générale et spécifique dans la branche par qui c'est musique, eh bien, n'a identifié si jeune ça yo, si y a potentiel ça yo, n'a pas eu valeur, n'a créé ça pour yo. Imagine aujourd'hui, on m'a fait une forme de musique tant que BIC, en musique consciente, on pas qu'une salle que m'gale, je pas gagne Rex, pas gagne Triomphe, pas gagne Paramount. Tout ça, c'est petit sourire dans la rue. C'est petit sourire parce que dans la rue, bah, si mon nom, petit bouteille plate, on joue un buzz, et puis journée le fait. Donc, pas des politiques pour créer salle, on salle 500 moun, on salle 1000 moun, par exemple, on moun ka décide semaine ça, m'en vient à l'antisouïde, mais je suis un an, on va le goûter l'autre bagaille, ou pas gagner alternative ici. Yo fou et tissouïde là dans tout niveau,
sorti dans festival bal carnaval, yo fait le tourner tissuit bagaille pour seulement en bas vivante, yo oublier les choses de l'esprit, oublier les choses de l'esprit, c'est avec volonté yo fait, et c'est pour ça toute jeune fille a des envie des habits pour monter saint jodia. Le petit jeune n'était ouais que l'été met petit jeune bien chita soli, il t'a fait une belle musique à texte, il t'a privé, il t'a fait Alexandrin, il t'a regardé, il t'a vrim plat, tout ça t'a appris l'école, t'a fait yo. Personne ne va jamais m'occuper. Premier monde qui vient tout tourner, il y a eu l'assist pays. Il y a eu tout sponsor, tout regardement gain, eh bien, son politique pour gagner tout petit jeune déshabillé. C'est une politique. Si bien si je dis pas déshabillé, si bien si pas entré dans mal porté ça, c'est parce que peut-être. Mi gon réserve, mais combien de jeunes ont besoin de réserve ça? L'on a société ou bien 20 ans carrière, ou bien VIC qui a des textes qui a étudié dans MIT à Boston, il y a une pigou université, ça va bien 3 jours sur l'invitation de FIU, l'institution université en Miami, pour faire 2 textes avec moi. Donc, il y a étudié en Belgique, mal fait atelier d'écriture en Roumanie, et vous vous rendez compte qu'il y a un pays pour là, ok? Tout ça, le faut dans le figure, plus haut, plus haut, valeur, faut chanter en bâtiment seulement. Donc, son politique compte valeur. Oui, musique a changé, art a changé, mais qui politique qui est tout ça? À partir de point ça, m'en vie plutôt, mettez-vous disponible pour nous échanger, pour nous répondre à une question si gagné, et qu'on s'en échange, nous sommes capables vraiment poser compte et pour compte pour nous. Mais même clair sur ça, musique, c'est une pigou force que nous gagnons. D'ailleurs, à l'étranger, l'homme de petit, l'homme du moment où il fait musique, il m'a dit oui, il t'a préféré dans la diplomatie, il est avocat, il est médecin. Je dis à Sim, du moment où il est dans la politique, la dividit plutôt fait musique. Ça veut dire quelque part, gain ou force que nous gagnons, que par eux, force, c'est, en tout cas, c'est bêtise, monsieur, yo, qui fait que musicien, pas salté longtemps, on musicien longtemps, c'est ton petit raté, on petit drogué, on petit assis à terre. Mais je dis à, en acquis des petits toiles faire politique et faire musique, m'en départ en nous de nos jours ou après la contrebalance. Donc, s'en aller, donc laisse tout ça, c'est qui politique nous voulons mettre derrière ça si nous voulons à changer, aider nous changer de pays. Bien, nous avons remercié BIC et nous avons remercié Arnold tout. Quand on a nous prêt pour question yo nous avons gagné Belinda qui vient en dit proposition parle pour tout le monde qui dans mon artistique à quel tirer là surtout pour quelques artistes qui gagne non yo manqué accessible pour mettre yo plus près plus disponible pour journalistes culturels et il pose l'autre question tout m'pas connait si nous ka veut répondre tout ça là nous fini l'autre question que Belinda posé il dit qui gens nous penser malgré gain salle pour nos spectacles nous t'accueillons par le public là, y a un spectacle qualité. Alors, par contre, qui est-ce dans nos deux là, qui à qui est-ce que c'est ça? Qui dirige? Comme le spectacle, bon, Arnold t'a répondu facilement tout, mais comme le spectacle, je pense que comme moi-même, c'est ça me fait bon vivre. Je pense que ma pour répondre. Première question qui dit que qui parle de accessibilité artistique. Peut-être que t'es une époque, il était difficile pour jouer un artiste. Parce que t'es une époque. Pour ça parler faut aller voir une chaîne de télévision pour voir les bons interviews même pour des musiques et tout. Jodi a bon bagage qui est par exemple Instagram qui fait que n'importe qui peut être là il a soulevé parler avec lui qu'on y a ou après une boxe qu'on y a lui capable répondre par rapport à qui sort dit le sujet vient est-ce que par exemple sort que là c'est pas business mais des fois vous faites business ou qui ont artiste qu'on a ou dit moi bon spectacle pour lui là moi garantis ça 30 minutes plus tard il a répondu donc et je ne pas nous avons un problème d'accessibilité encore. Peut-être que y a un artiste, un artiste dans le BIC, qui n'a hésité à faire mal l'interview ou l'autre bon invitation. Parce que pour l'interview, tellement pas ça, ou devez y en plus, pour l'interview, je dis, les gars, ils ont l'interview pour le piéger. Ils parlent de l'eau pour le partager, pour le comprendre. Ils ont l'eau pour que vous fassiez une heure à parler, mais 30 secondes. Seulement 30 secondes, nous avons un outil. Et puis, ils parlent de l'interview, ils parlent de circuler, la pression est dans le contexte, ok? L'apprécier dans le contexte, pour le fort dit, on bagarre pas dit. Par rapport à ça, effectivement, il y a des artistes bien noirs. Tant qu'on vient ici, l'on a évité mon interview qu'on est. Il y a 100 000 questions pour me poser. Il y a 100 000 questions pour moi, effectivement. Pour la peine, comme vini même quoi, nous, tout accessible. Ça, c'est premier et volé. On a pour ça le spectacle. Nous, pas de ça le spectacle.
On a tout ça pour bien, c'est quoi qui va le jouer? On va gagner quatre côtés qui va jouer. On va avoir une salle qui chita avec lumière, chaise bon chita là, qui finit en déposit. Parce que moi-même, pas seulement artiste festival qui vient voler, moi là pour t'en déposer. Qui va? Pas gagner. Qu'on a là, est-ce que c'est parce que je ne peux pas faire? Non. La preuve, 19 juin, ce passé là, nous défons live. N'importe qui qui voulait, elle t'a fait BIC le concert 19 juin, ou après une bagarre de qualité que je t'ai offert. Et sortir le 19 juin, c'est ce que je m'habitue à faire. Donc, vous dites artiste signé de produits de qualité, mais pas de scène pour nous. Artiste, type d'artiste, pas de scène pour nous. Bon, ça me dit moi-même, c'est que dernier salle, je t'ai passé film pour 300 moun dans Port-au-Prince, il fermait un mois avant tremblement de terre là, il était triomphe. C'est pas triomphe, non, c'était un impérial. Impérial? Non, impérial sous Delmar. Sous Delmar. Vous imaginez, tout le monde qui a compris ça à cause de tremblement de terre, fait pas un salle encore. Non, il n'est pas à cause de tremblement de terre. Après ça, même je dis au poil, construit triomphe. Non, il y a 6 millions de dollars dépensés pour remettre triomphe sous pied. Je ne vais jamais utiliser triomphe vraiment. Sinon, sporadiquement, on fait 2-3 bagailles là-dedans et puis finir après ça, lui-même, pour y aller barricader, le fermer net. Donc, problème de pays d'Haïti sont un problème global. Pas un petit problème qu'on y a, même pour Atisho, qui a résolu séparément de reste pays. Nous demandons pour que bon vision globale dans l'autre pays, pour changer de fond en compte, pour une politique publique de toute qualité bagaille, et pour une politique culturelle et artistique réelle. Pour cinéma, il faut créer un fonds d'appui à la création cinématographique. La taxe sur ramassée sous spectacle public, tout est créé fonds ça. Côté chaque année, tout est financé un court-métrage de fiction, un long-métrage de fiction et un film documentaire. Au moins, artiste ta gen ça, et puis il faut gen l'école cinéma, faut gen salle de spectacle. Rex, là, on a dit, on va reconstruire tous ces mêmes bails, on a dit, on va faire tout le champ de masque, un lieu de spectacle. Il n'y a pas de rien que fait depuis toute année, ça, depuis le tremblement de terre, là. Kounyan, pour disponibilité, moi-même, je n'ai pas mon curé, je ne peux pas parler avec, moi-même, que je ne peux pas parler avec. Seul bagage sur Facebook, c'est pas moi-même qui suis Facebook, moi, son famille, son belle-sœur, qui répondent sur lui, parce que vraiment, pas de temps. Mais depuis mon arrêt, pour nous parler, n'a toujours parlé, évidemment. Tout le temps pour le scénario pour faire film. Bon, si le scénario n'est pas bon, bagazou, on va faire un film avant sur le scénario, ça, même FIFA. Depuis le dernier film de fiction, me fait acteur, c'est Les Amours d'un zombie avec Jessica, Ricardo Lefebvre, etc. Depuis les Amphires, comme vous me faites un film, bagazou, me venez. Donc, nous pas une salle pour nous projeter le film, nous pas un mécène en Haïti vraiment qui sort pour investir dans faire film et même bagaille pour musique, etc. Musique est plus facile parce que lui demande moins ça pareil. Ok, et nous avons l'autre question que Jean-Yves Bernard, lui, il y a deux questions à poser. Il m'a posé la première question, après la deuxième question, il a posé directement à Arnaud Antonin. Première question, il a posé, il dit, c'est vrai musique pour tes messages. Comment nous penser diminuer musique qui est vulgaire, yo. Ça y a passé dans la camionnette et c'est élève l'école qui attendait et puis force ses bêtises. M'bralé, comment nous compter diminuer? C'est ça la question, hein? C'est ça, yes. Jodi, ya, ok, t'es une époque. Pour un petit monde de nos musiques, il faut avoir de la qualité ouverte. Parents ont décidé, puisque à 4 c'est nouvelle, à 6 c'est musique, donc ma vie, qui le. Et moi, époque. Je dis, chaque petit monde a un téléphone, smartphone, non même. Ça veut dire, ça on interdit la caille là, automatiquement quitter barrière, il n'en est accessible à elle. C'est-à-dire, on ne peut pas voir qui capable de diminuer. Parce qu'il y a accessibilité avec. Qu'on y a, j'aime dire au départ, l'on en bas en pied mango, il y a un monde qui tombe bon, mais il y a un monde qui tombe des pierres qui finit bourré. Un monde qui vient avec un panier, c'est ça pourri, ou le ramasser par faute de mango. Ça veut dire, c'est toute une éducation qui pourrait être faite. Parce qu'un pile pour ce monde, il y a même bien ici. Mais le regard de l'oué, sa société a poussé à ce pas bien ici, et que lui-même, il y a un peu pour le vinatis, il y a un peu pour le copier, ça l'oué.
que vous considérez comme artiste là. Donc c'est tout un travail d'éducation qui pour faire. Parce que avec Internet, je dis à là, il y a des dégâts pas qu'à limiter si c'est pas un pays qui décide que mais comment on peut le faire. Parce que si nous que chaque fois que si mon café poésie, pays a, non fait un an, t'es primé, t'es balancé, bah qu'on était fontif fait pour un bail pour lui, et même t'as envie qu'on pourrait tout suivre à tout ça. Mais là, moi, c'est seulement chaque action qui a battu votre seul maillot, que y a battu le bagage, si mon en plus envie d'aller vers ça. Donc, les gens me disent là, c'est un problème pays que lié par un problème artiste. Moi-même, je fais travail pas non. Il y a un peu l'autre artiste qui est pas, mais c'est pas ça qui a résolu la question que je posais à là. Oui. D'accord. Question par moi-même, c'est. Question par Anola. Vous regardez lui. Il dit, est-ce que il a informé le monde sur des sujets importants? Bon, écoutez, ça, c'est justement, c'est pas travail un artiste. Et grand pile moun ka fè pou métrage kounye. Grand pile concours pou métrage kounye, c'est un beau chaîne, mais si pas kounye, c'est pas sur ça. Déjà commencé une série documentaire, pas mieux, il a passé dans tout lycée, dans toute l'école, que institution, où il est signé pour une initiative fait. Gagné plusieurs festivals de cinéma qui ont encouragé, et dans l'école même, où il est. Et pour Gaben nous a fait pour apprendre nous fait pour métrage tout haïtien yo ça a été mais c'est fait film qui semblait avec et bagaille qui opéra baïsao et telenovela raconter des histoires d'amour abracadabra un paquet d'histoires et Meli Melo mais qu'il y a des jeunes qui voulaient faire des bagages plus puissants intellectuellement. Donc, j'ai fait court métrage, parce que quoi, les Haïtiens, c'est un film documentaire lié, vous voulez faire documentaire, ça va empêcher de faire fiction. Mais, il faut nous dire que si c'est sujet d'éducation, bah, ça, ou non, c'est vrai qu'il coûte quoi faire cinéma. Nous-mêmes, nous faisons avec son nom, nous faisons avec des moyens, mais c'est vrai qu'il y a des moyens, qu'il y a des équipes. Donc, travail, mon ça m'a dit me faire là qu'a formé monde sur des sujets importants tant pour ces étrangers et ça c'est une job une institution qui a moyen donc en pile bagage éducation c'est job l'état donc pile monde qui toujours dit qui j'en fait ministère de l'éducation nationale va acheter tout film pour passer dans l'école ministère de l'éducation nationale pour que j'en bombe 50 pour que j'en acheter nous film même naturellement ça pas intéressé rien mais c'est pour te dire la vérité ouais. Et donc, nous pas qu'à mettre, nous font pile film de formation et d'éducation, nous font pile, mais tout pas qu'à demander au monde qui a fait film, en y lever, font bagaille uniquement didactique, en général, mettre un bagaille parmi l'autre bagaille là-dedans, mais bon, son bagaille, ça, c'est travail, ou institution, ou université, ou l'école de formation et ministère de l'éducation nationale, plus que travail, nous, réalisateur individuellement. Voilà, n'a pas encouragé nous à continuer à poser questions dans le chat là, ou même qui est sous live là qui a participé avec nous dans le troisième symposium. Ça a nous demandé ou capable de poser questions, taper questions et BIC et Arnold Antonin qui s'est invité nous, capable de répondre pour des éléments de réponse à question que n'a bien pour nous poser et après un peu plus tard n'a bien pour nous reprendre en serveur qu'on a encouragé autour pour troisième session pour préparer pour prêter attention à emailo puisque n'a voué message ben nous toutes qui déjà sur podium non pour nous capables recevoir invitation pour troisième session pour nous capables participer dans troisième session symposium ça alors n'a encouragé encore une fois à poser question par bien si vous n'avez pas ajouté ton bagage. Non, non, je t'ai perdu connexion tout à l'heure. Et dans les réponses, alors je t'ai perdu parce que je t'ai perdu connexion, mais je l'ai perdu. Ok, très bien. Oui, non, je ne vais pas dire rien. Ça, je t'ai dit, nous ne pouvons pas mettre nous à faire film didactique sur chaque problème qui pose dans la société. Ce n'est pas job ou artiste individuel. Ça, c'est job ministère de l'Éducation nationale, université ou avec l'école. Le ça, il y a. Il a utilisé travail, n'est-ce qu'il fait film pour faire mon film ça.
C'est ça. Ok, et bien, si tu es après, on va aller là, tu as parlé de le Negab Bow interview. Et, mon cher, pour me capable, c'est pas un rôle, mais pour me parler, pour les questions, c'est modérateur, vous devez me suivre. Des fois, vous suivez émission, surtout sur les réseaux sociaux, ou bien radio en Haïti, vous devez me capter d'ici, le premier ici, dans Miami. Le a capté, le a fait interview avec Atisio. C'est pas qu'il faut presque racheter cheveux dans tête, parce que l'homme d'a fait radio en Haïti. T'es gon éthique professionnelle côté gagne, et qu'on est en plus ou gagne des militants, des journalistes militants, ou pas ou gagne des journalistes professionnels encore. Et même ça qui était professionnel avant, ou est venu emporté par le courant, par le militantisme, et ou est plus, il a cherché à tacler, et comme si. Mouni a interviewé, c'est chercher à chercher écraser Mounza. Ou bien à chercher à étaler connaissance, montrer que vous connaissez plus facile. Mouni a Christophe, ma parole. Et mon époque, c'est bien plus fanatique que artiste. Mouni a côté que vous la majorité fanatique vient tourner artiste. Et donc, on a fait une chose dans le cas radio, c'est pour l'époque, ou animateur, ni qu'on est là pour lui faire pont entre artistes là et public là. Ils sont mouillés là pour le faire, c'est pont. Je dis à, en plus, l'animateur, puis artiste que artiste l'invite, hein. C'est un coup, l'invite pour lui montrer qui longueur, à qui niveau artiste lui. Et puis, pas oublier que nous, on est allé des likes et des views. Et donc, on est là, il y a une volonté manifeste. Pour me faire des bêtises, parce que bêtises ou dire, pour permettre de générer plus de monde qui vient de la bagarre, donc je vais faire view, et je vais faire comme nous démoniser, bagarre pas porter nous dans la tête, quitte à ce que l'autre la traîne à terre, dès que là-bas nous vieux en plus, c'est ça qui est important pour nous. Les gars font lapsus dans l'interview. Même nous-mêmes qui va lapsus à l'éthico, j'ai lapsus à saute la suite, ou couper parti côté le corriger là, ou exactement pour lapsus à temps pour personne ne va faire lapsus. Et que vous achetez ça ou pas le capitaliser pour bon 10 000 ou 20 000 moun, tabac ou des dollars. Moi, quoi que, par rapport à tout bagay ça, yo, le animateur invite ou non, émission, m'a dit, est-ce que l'invite ou vous le connaissez à faire, ou bien l'invite ou vous voulez mettre au niveau artiste lié, ou pas même comprendre pour qui ça. Et bagay vient très, très, très compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis, on est avec bien ici, ou après mal la média, je choisis le mal la média. Je choisis, par exemple, une musique qui fait que sorti, il faut faire promotion. Je me dis, ok, il faut les autres médias que je vais passer. Mais pas pour être pour longtemps, ou envie de parler, ou envie à la radio, ou envie à l'émission, parce que il va la piéger, Ronia. Va la piéger. Va la faire mal, parce que tout pas oublié. Ou même à l'époque, quand tu as fait radio, peut-être que, bon, je me dis, peut-être parce que ce que l'information que vous prenez pour ça, comment comporter ou au travail, voir, et comment en vont faire interview, ou briefer à tout cela. Pour pas le prendre par surprise, ou c'est bon, quand c'est des bagages pour suivre. Je dis à des gars sur smartphone, animateur, lui. Des gars qui ont smartphone, il y a des internet sous lui. Vous comprenez? Lui, c'est journaliste. Donc, voilà, il est très, très compliqué. Et c'est ça que je veux, ou alors, on interview avec mon nom, ou pas même qu'on soit venu faire. C'est même question qu'à proposer, bah, il répond déjà à tout vous qu'à proposer, parce que je me suis trouvé, oui, bon. Donc, c'est ça. Nous, on a des views et des likes. C'est ça. Et Arnold, il y a ce qu'on va ajouter au magasin? Non, comme un thème d'affaire, moi-même, c'est que Fonek, je connais que malgré le paquet de médias, ça existait, mais journalisme, même Jacques Cinéma, sont professions liées. Absolument. C'est-à-dire que faut au moins un minimum de préparation, faut travailler sous lui. Moi-même, je dis qu'en général, il est très sympathique à moi-même, les gens qui interviewent, mieux pas de problème. Green bagaille. Et ça rentre dans l'affaire professionnaliste. M'étonner le journaliste vini, et puis, monsieur voulait que ce soit même qui fait travail. Il veut interviewer, mais il veut que ce soit fait travail. Il n'y a pas un minimum de recherche avant. Il faut que vous fassiez recherche. Tout bagaille. Même font un bon film, font une bonne musique, basé sur une recherche, oui. Il n'y a pas de faire recherche, il faut faire recherche, il ne faut pas venir vous présenter tout. Et puis, William. Ce pour faire travail, pour pas faire travail, ou même, pour commencer. Et qui film vous va le faire là?
film ou fait à ça, le dit. Donc, son pareil, on voit une espèce de paresse et de facilité, et ça rentre dans le cadre et dégénérescence éducation dans le pays d'Haïti. L'on a certificat d'études primaires pour jouer longtemps, on pile à faire. Les gens m'ont parlé des années 70-60. Le monde, mon fils a son certificat d'études primaires. Ce n'est pas blague. Ça, les gens qui ont écrit, pas fait faute d'autographe, qui ont écrit une lettre, qui ont écrit pour Baba. Mais quand ils ont écrit papa, il fait trois fautes d'autographe de papa. Parce que c'est comme ça, bagaille, il n'y a pas qu'on écrit ni créole, ni français. Il n'y a pas qu'on réfléchit, oh, qu'on est que bon, étroite relation entre langage et pensée. Pendant qu'on parle, on va former pensée, pendant qu'on pense, on va former langage. Mais si on a refusé d'utiliser, parler un langage humainement compréhensible, monsieur, il faut qu'on pense le tout. Bon, gros problème là. Et très souvent dans la radio, ou bien dans moyen de communication, bagaille et ça, négio, langage a un gros problème parce que c'est à partir de, on sait, de symboles, de deux mots, de trois mots, et puis il y a pas. Donc, c'est pas en Haïti seulement pour me poser, mais c'est dans le monde entier pour me poser. Ah oui, absolument. Ouais, absolument. Ouais. Et capable de se même dans le niveau professionnel, où on a des avocats. Ils ont utilisé des termes, là, on va parler pour les États-Unis, ils ont utilisé des termes, des abréviations, au lieu que pour vous faire une phrase complète, ils just font abréviation, parce que c'est la grande mode de ça, je ne parler. Quand il y a une question à poser à nous, chaque fois qu'on est, et qui est-ce qu'après pour avancer bien, c'est bien, Anol, qui conseille nous, Kabaya, et artistes, personnalités médias, ou professionnels, entrepreneurs, dans le secteur artistique, yo, qui sont capables de contribuer à un changement social dans le pays? Bon, qui conseille capable ba yo? Moi pense que question ça réponse question ça yo connaît. C'est des dire que nous dit chaque jour nous parler nous chanter yo connaît. C'est pas problème connaît lié mais petit problème nié. Le bien c'est vinn dit mon cher, loi font texte faut prendre ça ou amener sujet ou poser sujet ou faire image. Ouais, le bien c'est dit ça. Mais là me garder moi de ça à faire. C'est sérieux même que pays a toujours maintenant trop de bagaille. Moi même qui aspire à venir artiste là, est-ce que c'est bon ou là ça veut? C'est ça qui est une grosse question. Hein? C'est pas qu'on est non, si je ne pas qu'on est ça pas bon, ça bon. Non, je connais. Sauf que, je rend compte que plus ça fait ça pas bon, hein, plus ça populaire. Son constat. Toute bagaille, toute forme de monde qui pas de arriver non niveau dans le pays, là, les gars, tout ça a critiqué yo. De comportement pour nous gagner, éducation, etc. Regardez, ça qui super ça paye, yo allez en la côte net de tout principe ça yo. Eh ben, yo connaît, mais yo dit, hey, moi même artiste, mes éliminé, et dans la télévision, mes yeux passés, et programme, mes yeux jouer, bon mal là. C'est pas qu'on est ou pas qu'on est. Moi-même, je fais un choix. Donc, clair sur ça, je fais un choix pour m'être cohérent et faire un bagage qui est utile. Ouais, je dis, si petit moi décidé, la passe nuit dans boîte à fia, dans fumé cigarette, la fait la site personnelle, pas besoin aucun exemple dans vie papale, son choix. Ça veut dire, s'il décide de là, tout à briller cigarette toute journée, bosse, alcool, si sourit, la gare, ça y est, il n'y a pas qu'à reprocher papale déjà, ça son choix. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, conscient que c'est là, pays à l'aller, il y aura aller dans descendre jeep, dans monter jeep, si j'étais dit bien, lève le bal travail, il y aura aller dans ça. Faut au moins bien le former, j'aime ni. Nous conscients de ça. Vous comprenez? C'est là où vous voulez mener nous tous et c'est pour ça. On assiste conscient. Mission le plus gros sous nous, le plus lourd. Parce que nous pas de choix tout, de toute façon. On assiste à vous bien ici. Nous devons grand changer. Bon, là, on a fanatisme. Assiste à pas changer, non? Nous ne devons pas même compte qui aime changer. Même si nous devons changer. Je ne sais pas même qui ça me fait me changer. C'est mode de vie que lié. Donc, si bon conseil quand même pour me bailler, c'est pour me continuer à dire, jeune, assiste. Ou assiste, c'est parce que tu veux bien, ou liberté. Et ça, il faut choisir assiste. Ou pas assiste pour ta monde. Ou pas assiste pour ton petit pantin. Ou pas assiste pour ton monde qui travaille dans une factory.
on a 6 ou pas bon, d'abord on pas bon job 8 heures pour 4 heures ou pas bon, on pas bon dire qui dit j'ai enlevé la pour faire ou pas on ouvrier qui travaille au bout du mètre sinon pas il était trop artiste. Artiste est plus sacré que ça. Artiste est au-delà de ça. Artiste là, c'est pas ou même qui vous dit sans envie de danser mal chanter le pour vous. Moi désolé. Artiste là, c'est moi pour imposer ou ça me joindre. Mystère me joindre, magie me joindre. M'poter le bas où. C'est ce que l'on a eu l'eau, sinon son petit pantin, ou qu'on dit un remote contrôle, qui dit au canapé arrivé et chante en bas et puis le play, proof, pour pas le pose, le play. Non. C'est-à-dire, si vous voulez actif, vous voulez dire que vous voulez libre. Il y a un petit proverbe créole qui dit après mon opinion, c'est moi, chef pour le moins. C'est un proverbe créole. Après mon opinion, chef pour le moins. Ça veut dire, les massifs, c'est ça. Les gens ont font film. Ni qu'après un conseil, ni qu'après un conseil, ni qu'après un conseil, mais ça peut l'éclairer à Elie Connell. Ou pas qu'elle vienne dire, non, mon cher, sous-titrage Québec caméra, comme ça, le tapis bon, mais elle Québec caméra, pour la comme ça, ou a fait film pour la comme ça. Ou pas qu'elle dit, bien ici, mon cher, sous-titrage chanter comme ça, elle l'a bon. Non, mais sans dire, t'as chanté, elle chante de nous-mêmes. Moi, artiste, parce que, moi, libre, m'a dit, personne, m'a vomi le goud. M'a artiste pour m'vine bonne musique, m'a marchand musique. M'a artiste, pour que je dis à étudier texte dans MIT, petit m'a prendre ça, ça fait me fier. Moi, artiste, ok, pour l'autre pays, après l'aime, vient partager forme d'écriture, non. Malgré ça, créole, moi, fait, je prends interprète. Mais ça, c'est artiste. Et artiste, parce que depuis 21 ans, personne ne m'a pas contrôlé, moi. C'est la poésie et mon âme qui a contrôlé tête, moi. C'est ça, me conseiller, tout jeune, je dis à qui envie artiste. Arnaud, merci bien ici. Moi-même, ça vous dit, moi, artiste fait pour un homme libre. Yeah. Et grand engagement pour gagner, c'est avec propre tête pas où et pays où. Yeah. Parce que, ou quand on est, même si individuellement triomphé, mais si collectivité, si pays en lui-même, même, en dégrabant, chaque jour, la vie plus mal, triomphe ou à bout, triomphe à mer. Donc, c'est ça qui fait que l'oblige à associer deux bagages, ça y est, triomphe personnel et triomphe pays. Moi, je suis qui te dit, ou pas faire comme dans le cinéma dans le pays d'Haïti, mais souvent, film, y aurait les, il y a un petit film, j'en fais dans le pays d'Haïti, là, avec un talent, ou à fond pile propre, ou à mettre ça pour vous sous bagage. Je n'aime pas qu'à faire un film, moi, ça, parce que ce film, ça, il va dans la tête, mais, parce qu'on a dit son mot authentique. Faut moi-même authentique, mais sincère, moi va faire ouais dans ça m'a dit rien de là, mais au moins sincère, authentique et me respecter monde. Une série de nèg y a font série de bagaille. Yo pas quoi là-dedans et puis c'est parce que pas respecter monde, yo pas respecter pays, yo pas respecter peuple là au fait. Moi même ça m'essayant c'est si m'a cherché substance là et me pas vouloir un enseignant seulement, ça c'est travail professionnel moi, mais mon travail artistique et c'est ça moi c'est petit moi tout. C'est remet le vrai, le bon et le beau. Pays d'Haïti, son pays, côté sa cap triomphé, c'est bay menti. Genègue fait de son profession. Même Jean, vous êtes comme président aux États-Unis, Trump, c'est consulté. Chaque jour, bay menti différent, qui est mêlé, ça n'a pas d'importance. L'élevé, c'est sous consa, il fait politique, et consa, diriger. Moi-même, Trump existait bien avant, je dis, mais écoutez, il faut avoir l'amour du vrai. Ensuite, du bon. Bon, ça veut dire, pas faire bagaille pour pile en bas pied dignité l'autre monde, pour faire l'autre monde souffrir, pour faire l'autre monde mal. Faut solidaire à l'autre monde, faut mettre en place. Et finalement, le beau, vous faites pour aimer bagaille qui est belle. Principe, ça, ils ont changé historiquement. Ils ont parlé même tout le temps, ils ont changé selon les générations, mais il faut toujours chercher. Il faut toujours chercher. Si vous cherchez, vous jouez, vous êtes utile à tête ou vous êtes utile au monde entier. Mais moi-même, qui ça, moi, t'a dit, si je parle avec l'autre cinéaste, avec l'autre artiste, avec le jeune en général. Mais ça, moi-même, mais ça, je t'a dit. Cultivez trois bagages, ça, vous. N'a pas libéré pays hein, de l'État lironien. Et nous sommes j'aime de l'école professeur, on dit bravissimo. Et merci Arnaud Latouné et BIC
Et c'était parfait. Et tout le monde qui a posé des questions et tout, Jean-Yves et puis Belinda et Wickenson qui dit nous Paris, saluez-nous. Et de tout cas, je me suppose lui-même lié à Paris. Et quand nous allons entrer dans ça qui relève le survey, côté que il y a des questions qui posaient, n'a pas invité mon cap suivre là pour nous capables. T'as comme t'as dit non, t'as pied bonheur, monter en laisse au bord droit. N'a pas un côté qui écrit chat, question, et puis Paul, n'a cliqué sur Paul là, n'a pas question, yo, question qui posait, et gain des éléments de réponse, n'a pas répondre, n'a pas réponse qui est appropriée, et puis n'a pas soumettre réponse qui est appropriée. Première question qui n'a, n'a surveillé, il dit, qui cadre légal, qui propriété intellectuelle, qui affecte croissance, industrie créative, yo. Is it which legal and intellectual property framework affect the growth and the creative industries? Quels sont les cadres juridiques de la propriété intellectuelle qui affectent la croissance des industries créatives? C'est question ça qui est. Et nous invitons tout, ni BIC, ni Arnold, participer là dans tout. Allez, sur bon droit là, nous avons chat, question, et puis Paul. N'a posé, puis il y a trois, il y a une réponse. Réponse, on dit, enforcement of legal contract, c'est renforcement contrat légal, yo. Il dit, ou bien c'est renforcement et droit copyright laws, yo, loi sous droit d'auteur, ou bien si c'est le yo by grant, yo by support financier. Attends, mais faut me couper le computer maintenant. À décharger, mais je connecte le computer, oui. Et l'autre bagarre, elle dit, border restriction on incoming artists, et restriction sur artistes qui viennent, ou bien tarif et non tarif barrière tarif, comme des cas de cela. Prix, voilà. Est-ce que c'est ça qui affecte croissance industrie créative? Voilà. Et computer me connecté, on y a nos cabalés pour deuxième question. Alors, on va choisir une réponse et puis on va soumettre. Bien, si tombé encore, il a la PC reconnecté, elle a reconnecté, elle a remetté encore. L'autre question, nous passons à la deuxième question. Nous avons un petit temps pour être en libre pour répondre à la deuxième question. Il dit, where are the biggest opportunities to build the capacity and the creative industries. D'après vous, quelles sont les grandes opportunités pour renforcer les capacités des industries créatives? Et de qui côté vous pensez qu'il y a une plus opportunité qui est capable de permettre de renforcer les capacités des industries créatives? C'est question ça qui posait. C'est deuxième question. Il dit, est-ce que c'est association industrielle, industries associations, training institutions, c'est institutions qui ont fait formation, government agency, c'est agence gouvernementale, coalition of service industries, si c'est coalition de services industriels, regional organization, si c'est organisation régionale, organisation internationale, ou bien coopérative privée, private corporations. On va choisir une réponse, et puis on va soumettre. Donc, on a une invité BIC avec Arnold pour participer avec nous dans ce réseau. Merci pour vous. Je pense que chaque fois, moi, et sur le téléphone, moi, chaque fois, moi, aller là, je perds une connexion. Par contre, pour qui ça? C'est son manipulation. Chaque fois, moi, essayer d'aller mal dans ce via, moi, je perds une connexion. Parce que je passe sur le computer, c'est sur le téléphone, je me direct. Téléphone, non, ok. Ok, c'est d'abord, enfin, la fois moi dit non, nous allons poser, bon, moi. Alors, ce survey, ça a fait son survey que CARICOM a mené. So, c'est ça qui fait nous faire les bouts. C'est la bouée dimension et symposium, ça a que nous avons participé la dernière. Et l'autre question qui gagne, il dit, what are the stakeholders that provide support for capacity building to the creative industries? Qui parmi les organismes suivants apporte un soutien pour renforcer les capacités des industries créatives? Qui est parmi organismes qui porte soutien pour renforcer capacités industries créatives? Est-ce que c'est association industrielle?
Est-ce que c'est institution de formation, est-ce que c'est agence gouvernementale, est-ce que c'est coalition de services industriels? Est-ce que c'est et organisation régionale ou bien organisation internationale ou bien corporation privée? On va répondre à la réponse, réponse qui est appropriée et puis on va soumettre. Non, on va traverser à l'autre question. C'est la même question que tu voulais sous l'écran, Marie-Même. Oh, il faut aller la curseur là à côté. On va aller down pour capable joindre l'autre question qu'après. Ah, ok. Ok. Je vais quitter un petit temps pour capable répondre. Pendant ce temps, je vais encourager pour veiller email ou, puisque là, nous allons commencer avec la troisième session. Vous pouvez recevoir une invitation sur email ou pour permettre qu'on enregistre pour participer dans et surveiller. Nous avons une liste de sponsors là pour être capable de saluer les sponsors. En attendant, parce que nous n'avons pas oublié que ce symposium, c'est là, Management Group en collaboration avec et Macaya Foundation et New Level Realty Group qui permettent que nous sommes capables de suivre le symposium ça journée jeudi. Hein. Et oui, Napoli, nous avons un remerciement spécial à eux-mêmes. C'est bon, Christophe Simeon, les éditions radioproducteurs, et Gagné Pierre-Michel Théodat, nous avons le média qui c'est le Nouvelliste, le Floridien, Explosion Broadcasting, The Haitian Time, Bridging the Gap, Signal FM 90.5 FM, Bival Marketing Inc. Et puis gagné Max, c'est Max Télémix, Télémix, Radio Télé Caraïbes, Radio Métropole, GS Communication que Georges Siméon a dirigé, Magic 100.9, 100.9 FM, Ticket Magazine, TA TV, Télé Anakaona. Nous avons Focus Marketing, nous avons Melody FM 103.3, Vision 2000, Toucher Douce, Picklist.com et 90.1, Radio Toucher Douce. Et c'est mon dieu. L'autre question, nous allons passer à notre question. L'autre question qui est dans le survey, on continue après le survey, qui dit « What would be the best tax incentive government should consider? » Il dit « Quelles seraient les meilleures incitations fiscales que le gouvernement devrait envisager? » Les équiformes avantages fiscaux qui étaient capi bon que le gouvernement a dû considérer. C'est ça ce que je veux dire. Est-ce que c'est tax credit for creative industry producers, labels, dealers, and the like? Et est-ce que c'est tax credit pour industrie créative, pour producteur et industrie créative, yo, pour, comment on dit la belle encore, pour, maison de production yo pour dealer yo ou bien yon bail comme ça. Peut-être que c'est pas crédit pour artistes entrepreneurs yo ou bien réduction de taxes et sur l'argent que vous rentrez ou bien c'est exemption for tax, c'est pour pas taper impôt là et yo faire ou yo exempt, comment dire exemption encore et yo épargne yo évite de payer taxes. C'est ça. Que matériel que on peut importer et pour créer produit pour faire produit pour stimuler produit exactement la création de la pour stimuler la création la production voilà et puis on va finir répondre question qui est appropriée et puis soumettre l'autre question qui vient soit aller plus bas bien descendre nous bah bon petit temps pour répondre question. Nous saluons le monde qui fait monter, il y a deux, trois monde qui fait monter. Nous disons bienvenue dans la troisième édition annuelle symposium sur industrie créative et culturelle. L'autre question qui vient la surveiller, alors on a bien vu tout sur fait monter, ou sous bord droite là en l'air, ou à petit flèche, ou à cliquer sur petit flèche, elle a permis de capable de chat. Question, Paul. On a une question qui est tombée là, vraiment la next question, let me. Ok. Didi, question, c'est pour nous tous les deux, messieurs. Didi, qui opportunité qui gagne pour l'industrie dans la période de grande crise sociopolitique?
côté Wadi. Alors, côté Wadi. Il y a plusieurs. Ah, c'est un pile question. Ton pile. Oui, il y a plusieurs. Oui. Ton pile, combien. À qui on a fini là, je veux dire. Non, 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 c'est fini. Mais comme vous posez vos questions là, nous ne pouvons pas répondre. Par contre, nous voulons répondre rapidement. Qui question liée? Il dit que l'opportunité qui gagne pour l'industrie, ça, même dans la période de grande crise sociopolitique. Ah, pour moi, même pas gagner qu'une opportunité actuellement dans la crise du pays d'Haïti à vivre là. Parce que tout pour nous faire, on va foutre le film. Mais moi-même, je suis mal fait tout, je suis dans la Tibonite depuis au moins 6 mois, je ne vais pas aller par un monde qui veut aller avec. Parce que je ne vais pas faire kidnapper. Je vais tout mal faire dans le sud. Dernier film mal tourné, on t'a tourné pour 15 jours. On tourné pendant 4 jours, on fait 11 jours, fermer nos hôtels côté, c'est moi-même, à l'équipe, moi seulement, qui est dans l'hôtel là. Mais ça n'a pas rien devant ça qui est pour nous là. Pour nous, même, autant de choses, c'est pour nous, le taux de change, c'est 2 paires pour un bandit dans la prison. Si c'est cinéaste, même, c'est pour 5 cinéastes pour un bandit. On continue avec ce merci Arnold et parce que nous quitter intervenant nous aller malheureusement mon nous poser question ti j'entends nous pas gueta pour nous répondre toutes les questions. Alors l'autre question qui est dans le survey, il dit what type of financing program should establish government to help the creative industries? Il dit quel type de programme de subvention que l'État devrait établir pour l'industrie créative? Quel programme de subvention que l'État devrait considérer pour l'industrie créative? D'abord, je dis, est-ce que c'est direct grant to creators to develop and create new content products? Direct grant by government agencies based on commercial potential of the product and or company. Stimulus of the private sector to generate the seed money and risk financing for growth and the creation of regional and or national special purpose private investment funding support. Tout ça, c'est réponse qu'on est capable de bailler. Et est-ce que c'est création régionale ou bien nationale spéciale qui a à but privé ou investissement de fonds de support? On va répondre à une question qui est appropriée pour soumettre. On va obliger à l'antigène plus vite parce que le a fait nous la guerre. On va entrer dans l'autre question qui gagne encore. What are the biggest opportunities for government financial investment in the creative industries? Quelles sont les plus grandes opportunités pour l'investissement financier public dans les industries créatives? Qui pigou opportunité investissement financier public qui gagne dans l'industrie créative? Et qu'on a pas capable ces questions, c'est question que CARICOM sont surveillés que CARICOM en enquête CARICOM a fait sous industrie créative et culturelle. Est-ce que c'est éducation ou bien information dans l'industrie créative? Est-ce que c'est bail des fonds, des programmes de fonds pour artistes ou compagnies ou bien compagnies pour créer de nouveaux produits? Est-ce que c'est promouter l'industrie créative à des investisseurs étrangers? Est-ce que c'est et des fonds, exporter des fonds pour supporter voyage, pour supporter voyage, échange, mission, ou bien promotion, et activité marketing, ou bien c'est création industrie infrastructurelle, ou REL, ma connaissance, peut-être pas travailler vite, ou bien c'est son sous stage, ou bien studio, ou bien côté que l'a joué, venues ou incubators. Coordination of inbound tourism and showcasing of creative products and events. Soumettre réponse qui est appropriée. Now, pass à la next question. What would be the most effective financial incentive for growth, for growing the creative industries? Quels seraient les avantages financiers les plus efficaces pour développer les industries créatives? Qui avantage financier qui est plus efficace pour développer l'industrie créative? N'a pas l'envie de boire de l'eau. On va profiter à la pêche lisière à tout parce que. Bon, je vais commencer sec. Gorge à sec, sérieusement.
C'est la dernière question. Réponse, tu as choisi réponse qui est appropriée. Oh, dernière question. Oh, on vient toujours. Avant-dernière question, c'est What do creative industries need most in terms of financing support? De quoi les industries créatives ont-elles le plus besoin en termes de financement? Qui sait que l'industrie créative a plus besoin comme support financement? Prends une réponse appropriée et puis soumettre-les. Pensez ça, c'est la dernière question. Yes. Ça, c'est la dernière question. What are the financing sources available to create, market, create creative goods, services? Quelles sont les sources de financement disponibles dans le secteur pour la création, commercialisation de biens, services artistiques? Et qui source de financement est disponible pour créer, commercialiser produits, services créatifs? Voilà. Ou après, mettez réponse qui est appropriée. Hein? Est-ce que c'est private equity? Ou bien private investors, friends and family, loans, ça nous casse prêt, ou other credit, private ou bien loan dans mes familles ou bien dans mes amis, government grant, soft loan, investment, ou bien a foundation, crowdfunding, barter, ou other non-traditional, le bagage qui n'est pas traditionnel. Est-ce que qui genre de fonds pensez qui est capable de permettre qui est capable disponible pour créer ou bien commercialiser produits avec services créatifs. Voilà, c'est ça qui complétait ce survey que nous gagnons. N'a pas encouragé ou suivre email ou vous pouvez le recevoir. Vous pouvez le recevoir et email qui peut aller vite pour inscrire pour la troisième session pendant que nous avons remercié cinéaste Arnold Antonin et n'a pas remercié tout chanteur, compositeur, producteur et professeur. Alors, Arnold Grand Pile et comme nous t'avons lié. C'était pour toutes les biographies Arnold au début. Pour nous avoir recommencé pour toutes les biographies Arnold encore, nous allons finir par l'après-midi. Hein? Voilà. Nous avons des cinquantaines, alors pour nous dire, bon, bref, il y a des cinquantaines de films qui, et documentaires qui recevront des prix de partout dans le monde. Ça veut dire, nous encourageons, ou capable search, sans compte de faire recherche, chercher non Arnold Antonin sur Internet. Chercher nos biens ici pour capable consommer produits, consommer ça, faire encourager et gagner des côtés qui vendent produits, capable de vendre des côtés online qui vendent produits, et bien encourager à faire ça. Et si on compte tout à l'heure projeter un film ou bien une musique qu'elle joue dans cette musique, BIC ou bien musique à nos Antonin, nous encourageons ou bien film ou bien produit à nos Antonin, nous encourageons pour encourager, nous encourageons pour consommer. Pour capable permettre que artiste capable évoluer, pour capable monter leur niveau qui est plus haut et concerne nous et c'est là qu'on n'a pas encouragé et producteurs nous artistes nous professionnels nous n'a pas encouragé pour capable travailler plus bien pour nous. Le dernier mot serait quoi BIC d'abord et puis Arnaud. Eh bien après la consommation puisque de toute façon les ton élément clé pour nous la consommation on n'a pas encouragé tout le monde dernier les moyens. Le chamanie bique, c'est on compilation de textes que me gagne depuis la créole chante créole comprendre volume 1 jusqu'à dernier album écrit les dictionnaires. Donc c'est environ 5 albums, 5 textes albums qui sont ça. Et un monde qui a envie consommer, qui a envie supporter BIC, on va aller sur refhaiti.com, on va commander le n'importe où n'importe quoi sur cette planète là. Bravo. Donc on va voir ça et bien BIC c'était paré ou le that's good c'est allié me songe on grand homme radio haïtien alors Serge Beaulieu de regretter mémoire qui était connu si c'est pas ou parler vous que tout bagarre vous ne parlez vous vous comprenez frère et puis sinon m'a pas ajouté ma promesse de Farah Larrieux et son ami de longue date et nous rencontrer longtemps et puis nous toujours de bon contact donc même rêve pour pays même si la distance c'est même chaleur même vibration même espérance là. Même combat. Merci Arnold pour son yé. Merci parce que même moi, fait dans génération côté de la Antonin. Les nègres parlent de Spielberg. Même bien si Arnold Antonin m'a pas boire moi. Vous comprenez? Donc merci à tout le monde qui t'est branché chez moi. C'est ton plaisir pour me partager ce moment ça ensemble avec nous. Arnold, qui a pas songé, même nous t'ai fait émission avec Nancy Walk entre nous, soit dit sur Tropic FM, il y a des années de cela.
Et notre tenté recevoir Arnold Antonin entre nous soit dit avec Nancy Rock. Ça fait des années que notre Pique FM, je pense que c'était dans les années 90, 91, 92, 93. Voilà, c'est là. Mm-hmm. Ça fait. Après, dis-moi, je dis garçon mieux. Arnold, le mot de la paix. Bon, merci beaucoup. Merci Farah. Merci Siméon. Un plaisir de partager le panel avec BIC. Donc, on a prêté en contact. Et puis, bon, bien content que nous encourageons Mounio suivre et travailler Mounio. Gardez Fimio. OK. À la prochaine. À la prochaine. Et merci, merci, messieurs. Kembe FM, Kembe Dieu. Et continuez à produire. Continuez à produire. Bien. Et n'a pas encouragé ou même qui t'a suivi, même qui en fait. Merci. Au Canada, aux États-Unis, quel que soit côté où il est. Eh bien, encouragez pour supporter artistes, supporter supporter BIC et supporter artistes qui a participé avec nous dans symposium ça. Merci Arnold et merci encore pour toute bagage que vous partagez avec nous et toutes les informations ça yo, puisque gapil bagage que nous apprendre et de Arnold Antonin gapil monde qui part ou quand sous jeune ou fait que a pleuvé ou fait qu'entrer dans l'industrie a gapil bagage pour capable connaître Arnold Antonin qui produit un pile bagage qui fait un pile film qui fait un pile documentaire et qui est très connu et tu connais tous celui qui t'a fait premier long métrage et haïtien ça tout bagage c'est bagage pour connaître nous invite à le chercher pour capable qu'on ait fait connaissance plus avec artiste nous avec producteur nous n'invite encore une fois pour enregistré pour capable participer à la troisième session pendant que nous prenons une petite pause tout petit et nous prenons tout à l'heure joindre avec Farah Larieux et nous connaît Farah Larieux dans les passés de présentation ou même qui était dans les années 2000 et 2000 à nous dit 99 Farah 98-99-2000 capable de songer Télémax ou capable de songer à Farah Larieux sur Télémax. Et pas de monde qui par contre Farah Larieux, parce que Farah Larieux pas jamais prend un repos avec Tela Management Group. Il pas jamais prend un repos, toujours travaille pour la promotion de la culture haïtienne. Et c'est un militant et qui fait un pile de travail, tout un pile de travail de béton, surtout aux États-Unis, qui encourage un pile de monde, surtout haïtien qui vivent ici et qui a fait face à des problèmes d'immigration. Eh bien, Farah Larieux pas monde qui a dormi du tout, qui pas marchand de services li pour capable aider compatriotes nous dans quel que soit niveau que yo pas seulement artistique mais politique tout Farah nous joindre Farah sur tous les fronts à travail pour aider la communauté haïtienne n'encourager suivre activité Tela Management donc recevoir un email de Tela Management nous encourager l'ouvrir li pour capable ouais puisque de faire des promotions de artistes surtout puisque Tela Management groupe c'est ça nous fait nous aider artistes sur nous aider groupe yo ou capable dans groupe chat courrier partager information pour joindre de Tela Management Group et information qui capable aider yon artiste capable aider yon producteur qui capable aider yon nan moun ki nan secteur et créatif et culturel là capable aider ou avancer plus loin et politique tout puisque des fois gagne des revendications que nous même pas ici nous gagne et des fois Tela Management Group fait le porte-parole porte-voix de communauté nous pour capable aider que yo pas fin passer nous en bas bien-être nous connaît lutte là pas facile et li gain dedans mais quand même faut nous tous ensemble pour nous faire les pour nous mettre ensemble pendant que n'a pas vite mettre mais on avec Tela Management Group non seulement pour supporter artiste mais pour supporter toute activité qui regarder nous-mêmes haïtiens alors nous m'espérer nous compléter surveya nous soumettre li. Et puis, on t'y j'en pire rapide dans poser question, yo, de façon à ce que le artiste capable de chance, l'entend qui est parti à eux-mêmes, pour capable et gain chance pour capable répondre à la question, ça. Merci. Nous prenons une pause tout de suite. Pas oublier Farah Larieux, pour venir avec nous tout à l'heure. Pour venir, Benoît, en pile information et pas oublier enregistrer pour participer dans la troisième session. Suivre emailo. Et on va recevoir email là, Mathieu, on va faire ça qu'on y a là. He's going to send you the email to help you register for the next session. So be mindful and be in the lookout. Ouais, faut veiller vos jours calé jour. À tout à l'heure.
gade m, fet an kou pa wè ke m se ou toupi. Se piti tou, ti frè ou, kouzen ou, ou bien voisin ou. En tout cas, wade de jon wè m, kon lè ke pi aisi se youn, nou mitan tout lot aisyen ki vle viv. Moun zayo, se yo ka fè la bab, moun zayo, a fè nou la skibab. Moun zayo, jenès leve tombe, moun de yo, sou ki zayo tombe. Moun zayo, se ajan li zive, yo ba konè ki bien eme ni fè. On bon vivant ki panse yo se titan, on bon mortel ki doye yo posede le temps.